Salut à tous, c'est Timmy. On se retrouve sur GTA V pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, dites-moi, parce que j'ai trouvé quelque chose. Enfin, je filme toujours avec mon portable. Malheureusement, ça n'a pas changé. Mais j'ai rapproché, j'ai pu mieux faire. Donc là, ça devrait filmer plus l'écran. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît. Enfin, en tout cas, ça peut que vous plaire un petit peu plus parce que l'autre, c'était moins filmé l'écran. Donc là, je sais pas si vous voyez très bien sur la vidéo, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il neige. Et oui, comme bah, j'ai fait un code de triche parce qu'il ne neige jamais. Ce qui est dommage, c'est que ça ne tient jamais, la neige ne tient pas. Mais on va aller voir, on va aller faire un tour à Sandy Shore. Parce que vous allez voir quoi. C'est, on peut dire exceptionnel. C'est vraiment cool ce qui se passe là-bas. Et au passage, un petit. C'est pas un easter egg, mais voilà quoi. Vous pouvez exploser le ballon. Si vous ne saviez pas déjà, vous voyez là, hop, il a explosé. On va assister à son crash en direct. Ah non, on l'a pas vu, t'es derrière l'immeuble, donc dommage. Allez, on va directement à Sandy Shore. C'est parti, les amis. Ah, il m'énerve ces flics. Voilà, c'est bon. On est parti. C'est parti, on y va. Passage, je trouve bah, dans la vidéo, peut-être pas bien voir, mais que c'est très bien fait, à part le mise au fait que bah, la neige ne tient pas, malheureusement. Je trouve ça dommage, et puis il ne neige jamais, il faut toujours se munir d'un code de triche pour changer le temps, parce que sinon il ne neige jamais, je trouve ça pas cool, moi. Ouais, puis au passage, je trouve que Rockstar a laissé un peu tomber GTA sur Xbox 360, donc je trouve ça dommage. Sur plein de choses, sur par exemple les véhicules, par exemple la neige, sur plein de choses, ils ont laissé tomber ça, donc je trouve ça dommage quoi. Des fois, je regarde des vidéos de ceux qui jouent sur PS3 ou PS4, c'est rien à voir quoi. Donc voilà, on arrive à Sandy Shore. Mais qu'est-ce qui se passe? Il devrait se passer quelque chose normalement, la neige devrait tout recouvrir. Attendez, il faut aller un peu plus là-bas. Ouais, je crois qu'il faut aller un peu plus là-bas. Ah, attendez les amis. Normalement, la neige recouvre tout. Là, je devrais être dans une tempête de neige carrément. Et je devrais pas y voir comme ça. Ah, c'est dommage. Très dommage même. Ouais, c'est bête. D'habitude, il y a une grosse tempête de neige. Bon, attendez, on fait un petit coupage et j'essaye de retrouver la tempête de neige. Amis, je suis désolée, là on est monté sur la montagne, je vois toujours pas le banc de, on va dire le banc de neige. Je le vois pas, normalement il doit apparaître ici. On va essayer de descendre pour voir si c'est parce que je suis haut que ça le fait pas, mais normalement ça le fait quand même. J'espère qu'il se voit si on descend un peu plus. Ça a pas l'air d'apparaître plus. Ah bah si, regardez les amis. Et si, c'était parce qu'on était trop haut. Regardez-moi comme c'est magnifique. Je me disais aussi ça peut pas disparaître parce qu'en fait quand je suis venue là, je me suis dit ouais, on va voir sur la montagne et tout et je croyais que ça avait vraiment disparu mais disparu quoi. Et puis non. En fait, c'est toujours là. Donc là, on a vu au début de la vidéo que ça faisait pas ça en ville du tout, hein. Mais là, comme on est à Sandy Shore, et ben là-bas, c'est ça fait comme une grande plaine. On va attendre que les hélices s'éteignent. Allez, dépêche, cocotte. Voilà, c'est bon. On va monter sur une hélice. Voilà, et on va regarder au snipe ce que ça donne. Donc vous voyez vraiment tout blanc, quoi. On voit rien, absolument rien du tout. C'est magnifique quoi. Dommage que la neige ne reste pas, ça aurait été vraiment beau. Là-dessus aussi, ouais, bah Rockstar a vraiment laissé tomber ça. Je trouve ça bien dommage d'ailleurs. Oui, on voit juste les tours de contrôle ou les trucs qui ressortent comme ça là. Ça, c'est le truc de. Ouais. Après là, c'est quoi? Ah oui, c'est sur la montagne en face, on devrait passer les éoliennes. Ouais, c'est les éoliennes. Ensuite, les trucs de la prison. Non, on voit pas les tours de la prison.
Je les vois pas. Ouais. Maintenant, je vous propose d'aller dans ce brouillard. Parce qu'on dans la première partie de la vidéo, on n'a pas vu ce brouillard. Il n'apparaissait pas, mais c'est normal, en fait, il y était. J'ai refait le code 30 fois pour rien. Il y était bien, mais bon, je l'avais pas forcément. J'étais pas allé forcément au bon endroit. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de descendre en douceur. Regardez, mon hélicoptère, il ne fume. Il était blanc, il fume noir absolument pour rien. Vous l'attendez pas ici parce que là il y a l'eau. Je vous propose, attendez, je regarde sur la mini-carte parce que je ne vois absolument rien. Vous demandez peut-être comment. Voilà, là c'est bon. Vous voyez, dès qu'on se rapproche du sol, le blanc s'écarte. Il laisse la place à la vue. Mais franchement, ouais, magnifique. Là, s'ils avaient mis de la neige reste, ça aurait été très très beau. Regardez, ce qui est mal fait aussi, c'est quand on s'approche, la neige, enfin la tempête de neige, en fait, elle s'écarte avec nous. On a un cercle autour de nous et il bouge en fonction d'où on va. Donc, je trouve ça un petit peu mal fait aussi. Mais bon, voilà quoi, on n'y peut rien. C'est quoi ça? What? D'accord. Bon, bah. Si tu veux. Ouais, donc je trouve ça très beau. Ouais. Sinon, si je peux vous parler de 2-3 chaînes d'amis, je vous propose, bah, comme d'habitude, Knarr. Donc, commencez à le connaître si vous regardez, si vous me suivez. Très bon boulot, comme d'habitude. Ensuite, je peux vous proposer Rush. Rush Dolveld. Il vient de commencer YouTube, tout comme moi, et il va faire du très très bon boulot. Donc voilà. Puis mais d'ailleurs, si Rush, tu regardes cette vidéo, merci de me faire de la pub. Merci d'ailleurs, si n'importe qui regarde cette vidéo, vous me faites de la pub, je vous remercie. Ah oui, eux là. Ah ouais, d'accord. Ouais, eux, en fait, ils voulaient que je les emmène. Voilà, hop, hop. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Puis moi, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.